N'empêche que t'as quand même pas supprimé la dette. Mais je sais pas comment faire. Attends, j'ai une idée. Un enclos à cochons, ça coûte 28 000 euros. Donc théoriquement, on est bon. Ouvrir le menu animaux. Oh là là, les belles races de cochons. On peut prendre une pinoire de Bentheim ou un Landreis allemand. J'ai acheté deux pinoires de Bentheim. Wouah ! Oh putain ! Oh le gros cul ! Ils ont à bouffer ? Bah non. Nourriture 0 litre. Oh le malaise. Bah faut acheter là. Y'a Tiba qui se cherche de l'eau. Nous faudrait qu'on cherche de la bouffe. J'ai 1000 litres de nourriture pour cochons. Et j'achète. Faut qu'on aille le chercher ? Ouais. Vite, les cochons n'attendent pas. Direction le supermarché. Oh, il va nous charger la nourriture pour cochon avec son machin. Ça peut marcher dans le pick-up. Voilà. Mais c'est trop lourd, regardez, c'est trop lourd pour lui. C'est trop lourd. La situation est sous contrôle. Dès qu'il lève le truc, c'est trop lourd. Du coup, il a abandonné. Il a abandonné, je rêve. Ah non, il a pris un autre truc. Parfait, merci. Tiens, mon gars Joe, tu peux me charger ça là. C'est quoi ça? Je sais pas, je vais l'emmener là-bas au cas où on en aurait besoin. Tu cherches quoi? Je sais pas, tu démerdes, mais charge-moi, je vais l'emmener au champ. Tiens, ce truc, mon gars Joe. Ouais, il charge bien. Merci, gamin. Ok, nickel, on arrive avec la bouffe. Oh putain, c'est mal sanglé ton truc. Non, t'inquiète, ça tient. Ça a bougé un peu quand même, hein. On arrive, les cochons. Oh non, la nourriture des cochons. C'est bon, nickel. Merci, merci. Du coup, quelqu'un a une idée pour la nourriture, là? Parce que moi, je la vois là, mais elle est en l'air. Moi, je la vois là. Est-ce que si je la percute, ça fait un truc? Ah ouais, ça... Regarde. Oh bah, je suis carrément dessus. Oh, le gang des fermiers. 100% rap de paysans. Vous me voyez dans un état... Ok. Ah, mais vous le voyez aussi, le truc de cochon? Oh, mais ça va, les gars. Non, mais la mêlée générale. Mais putain de merde. Oh, bah voilà, dans ton cul. Non! Ok, on nourrit les cochons. Oh non, 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 mais lui, ça casse-couille! La priorité aux cochons, messieurs. Les cochons ont faim. Ok. Ah, c'est bon, c'est bon. Il jute du... Une diarrhée aussi soudaine que prématurée. Je sais pas qu'il y a énormément de serveurs. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de gens qui jouent. Bah là, il y a 2500 serveurs. Non. En fait, il y a 28 000 serveurs. Oh. Juste que j'ai regardé que ceux en français. Et si tu tapes one kill, et ça se trouve, ça marche, non? Ah, je vais trouver. Le mot de passe, c'est là où on va demain, tout attaché. Oh, comment vous avez le seum de pas savoir où on va demain? Oh putain, mot de passe erroné. Oh non. Quoi? Oh non, mais j'ai mis l'accent, j'ai mis l'accent. L'accent? Bah, alors... y a pas d'accent à barguer. J'ai aucune idée de par quoi on commence. Elle est bien jolie notre ferme, mais... Elle est où? Attends, mais il y a des contrats. Récolte. Acceptez le contrat. Parce... J'ai accepté un contrat. Ça rapporte pas beaucoup en plus. Récolter colza au champ 23. Ah bah on y est. Mais j'ai pas les outils. Faudrait peut-être qu'on achète une machine pour récolter du colza. Je sais pas où est-ce qu'on fait ça. On prend un tracteur moyen. Oh, putain, ça coûte cher. Oh, le McCormick. C'est de la bonne marque. J'achète. Moins 220 000. Ah ouais, t'as pris le top du top. Okay. Oh, il y a plein de terrains en fait. On prend lequel? Celui-là, il est pas mal. Ça, c'est un beau terrain, ça. J'achète. Ah, oh, j'ai fait bon. Tab et je suis dans mon tracteur. Il nous faudra un truc pour récolter le colza pour honorer le contrat là. Et c'est quoi le truc pour récolter le colza? Il faut une moissonneuse. Alors, genre là, si je prends une moissonneuse batteuse, c'est bon. Vas-y, je vais prendre une moissonneuse. Hein. Ah, on peut la louer juste pour le contrat. Vas-y, je la loue. C'est toi là? Ouais. Ah, mais c'est parce moi. Que t'as l'outil direct en fait, c'est pas un truc que t'attaches. Ah, il faut une barre de coupe, je la loue. Ah ouais, elle va avec la mienne. Ok, je vais essayer de m'accrocher. Apparemment, faut une remorque. T'as besoin d'une benne, genre d'un. Il faut une benne? Une remorque, ouais, pour le colza. On fera laquelle de benne, y'en a plein. Remorque à grain, toi, t'as... ils ont dit ou. Ouais, non, ils ont dit remorque classique. À grain. Pas à grain. 40... Maintenant, on dit pas à grain. Pourquoi pas à grain? Ah, pas à grain, pas à grain. La classe? Ouais. Vas-y, prends la classe. Après, c'est... ça, c'est un débat, hein. C'est un débat dans le monde agricole. Hein. Remorque à grain. C'est... Alors là, attends, faut que j'accroche ma remorque à grain. Ouais, faut que tu t'attelles. Oula. Tu l'attelles. Et comment je. Oh. Y'a une touche, non, pour atteler, genre. Ouais, oh putain! Ouais. Allez, ça part! Allez, on va bosser maintenant! On fera comme jamais, putain! Je suppose que tu dois moissonner et que moi je dois me mettre à côté. Eh ben, vas-y, je vais essayer. Mais il faut que tu déploies ton. Mm-hmm. Tu sais, ton bras là, ton tuyau. M'abuse! M'abuse! Ah. Ok, attends. T'es prêt? Ouais. Oh, c'est pas mal! C'est pas mal! Attends. C'est pas mal! Désactive ta buse. Tu as un réservoir. Ah ouais, je vois mon réservoir en bas. Ah mais je vais me vider en toi à la fin. Quoi? Je vais vider ma buse dans ton camion. Ah, d'accord. À la fin. Et là, vas-y. Comment je balance la purée? Ah bah ouais. Là, ça balance. Voilà. Bon bah écoutez, c'est ça la vie d'agriculteur, hein. C'est beau, hein. Ça va pas nous donner ça, beaucoup. Ça rapporte 4000, c'est rien du tout. 4000. Oh, il faut qu'on trouve le hack. Il faut qu'on trouve le truc qui va nous rendre riche, hein, parce que... Bah, pas compliqué.
On fait venir des abonnés sur le domaine et ils travaillent. Faut qu'on ait des gens qualifiés. En tout cas, qualifiés, tu, vraiment, tu roules parfaitement droit et ça, je pense que le client sera content de le voir. Ah ouais, je m'étais pas retourné. Oh merde, je vais quand même pas faire tout le champ, c'est impossible. Pour terminer le contrat, vous devez faire absolument tout le champ. Progression 11%. Il se fout de ma gueule. Mais c'est long du coup. Stop, arrête tout de suite de te branler. On va quand même aller vendre au supermarché ce qu'on a eu. Bah mets ta buse dans mon trou. Vas-y, mets-toi en parallèle parce que je, elle est très raide et je peux pas... Ah, y'a pas grand chose hein. Ah bah c'est pas... Allez, je me barre avec ta récolte du con. Allez hop. Eh, je vais faire fortune. Oh pardon, oh les habitants. Oh non, je suis coincé, je me suis mis sur la rambarde, s'il y a un train qui passe, je suis mort. J'arrive. T'es toujours au champ là? Bah ouais, parce que j'ai fait table et ça m'a ramené à ma moissonneuse. Parce que je pense que je vais plus vite à pied que la moissonneuse quoi. Ouais mais à pied tu sers à rien. Mais il Damien, faut, il faut ton véhicule pour pousser. Mais j'ai un employé qui est en train de faire tout le champ là, on est en train de gagner de l'argent. Quoi? T'as payé un employé connard? Attends, ouais. Tu dis qu'on est censé gagner de l'argent? Parce que là je vois l'argent qui est en train de baisser. Ouais mais t'inquiète, c'est un investissement. Parce que là, ça, l'argent monte, mais dans le sens inverse. Ouais, c'est bien un bug. Ah, y a bah j'entends des klaxons, ce serait pas lié à ton truc. J'ai eu une galère. Ah ouais, là, y a plus rien. Hein. Ah ouais, y a pas de jeu, hein. Ça bouge pas d'un poil. Dépêche-toi, parce qu'il y a le Paris-Roubaix qui va arriver dans pas longtemps. Oh putain, il arrive. Oh il putain est là. Il est là. Il est là. Oh. Merci. Et bah, tu vois. Putain, mais c'est énorme. Ah, supermarché. Supermarché, il est là, là, à droite. Ok, on est bon. Attention, ouvre la benne sur la grille. Oh putain! Oh voilà, en v'là du grain! V'là du grain! C'est tout là! 14% transporté pour le champ 23. Putain, ils sont pas cons, ils considèrent qu'on a pas fini le champ. Ah les fils de pute! Faudrait qu'on multiplie les contrats et les employés pour se faire des couilles en or. Je te jure, j'ai vraiment envie d'ouvrir le serveur pour les abonnés. Le rêve, ce serait qu'on ait des employés genre ultra qualifiés. Des gens, tu sais, des malades mentaux. Ouais, les cracks. De la ferme. Genre des mecs, ils rentrent sur le serve, on a 1 million, ils repartent, on a 10 millions, tu vois. Des Elon Musk de l'agriculture. Ok, appel à tous mes meilleurs fermiers de toute la région PACA. On vous donne rendez-vous sur notre ferme, ouvert à tous, mot de passe, one kill. Pourquoi? Parce que justement, le jeu est disponible sur l'Epic Game Store et vous pouvez le prendre avec le code créateur one kill et devenir de véritables fermiers. Ok, je vais vous donner les droits pour accéder à l'argent de la ferme. Attention, doucement sur les dépenses. Le but, c'est de faire du fric. Tu vois? C'est qui, lui? C'est qui conduit la moissonneuse? Il fait bien le boulot, mais est-ce que... Ok. Ah, salut. C'était bah, juste pour savoir si c'est... Non, tu peux y aller, Tim. Vas-y, mon grand. Voilà. Et lui, il est gratuit. Moi, ce que je veux, les gars... Moi, en fait, je veux pas trop me serrer les mains, mais ce que je veux à la fin, c'est pouvoir me payer une super bagnole. Parce qu'il y a des super bagnoles, je pense, et moi, je veux payer une... Oh, l'agriculture 2.0, vraiment, on prend le rien, on regarde tout le monde travailler. Va dans les voitures. Il y en a que 4. Ouais, il y en a pas des ouf, en fait. Le pick-up, mais peut-être. Mais bon, ouais, la lizarde, le là, pick-up 2017. Pick-up des patrons, tu vois, qui vont de champ en champ pour vérifier ce que font les employés. Mais tu sais quoi? C'est important. Tu sais quoi? On peut d'ores et déjà le prendre. Faut qu'on l'achète maintenant. Allez hop, voilà. Vous inquiétez pas pour le pick-up, les gars, c'est pour le boulot. Ah, vas-y, viens au pick-up. C'est bon, je suis là. Tu peux monter ou Est-ce que je peux rentrer avec toi? Oh, j'espère. Uniquement une place par véhicule. Merde, bah attends, vas-y. Ok, les gars, on va devoir faire une dépense nécessaire à l'entreprise, à savoir un deuxième pick-up. Vous inquiétez pas. C'est bon, j'ai acheté mon pick-up. Oh, mais le pick-up jaune, jante rose. Tu fais une petite folie. Non, déjà lui là, qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, on va lui checker le boulot là. Oh le forceur. Ok, j'ai acheté deux nouveaux terrains voisins au 14. Ceux qui veulent commencer des récoltes, c'est ok. Argent. Ah, Luna dit qu'il n'y a plus assez de thunes pour le corps de ferme. Est-ce qu'on n'aurait pas ruined avec chacun qui fait un truc de son côté? Faut qu'on fasse un emprunt à la banque. Eh bah écoute... Hey. Ça, on s'en occupe. On s'en occupe, vous inquiétez pas, les gars. Comment on fait un emprunt à la banque? Je sais pas, j'ai bluffé. Emprunter. Je peux emprunter, mais c'est pas beaucoup, quoi. Ok, j'emprunte, je spam. J'ai fait le max, j'ai fait un prêt de 500 000 euros. Attends, viens, ça bosse, ça bosse dur. Le champ 14 et le 115. Viens. On va voir ce qu'ils font. Contrat terminé. Putain, Luna Neko. Oh là là, mais ça, c'est un truc de ouf, hein. Incroyable. Je suis en train de niquer les. Je suis en train de niquer le champ. Vite. Recule. Je recule dans ton truc. Oh la connerie. Par contre, attention à ne pas rouler dans nos champs. Putain, y a un connard qui a été roulé dans le champ, les mecs, faites gaffe quand vous faites ça, bordel. Ah pardon, patron. Non, mais ça va pour cette fois, mais attention, ouvrez l'œil. Nous, je crois qu'on a la 16, tu vois, on s'occupe de la 16 tous les deux. Ok, vas-y.
Il y a des grosses traces de pneus. Les deux patrons qui dessinent des bites dans les champs. 12 seconds later. Ouais, bah c'est nickel ça. Attends, en plus je peux reculer avec le... Je peux reculer de ouf avec la vue. C'est ridicule. J'espère que l'argent monte pendant qu'on fait ça, hein. Oui, parce qu'on rigole, on rigole, mais faut que ça bosse, hein. Ouais, le problème c'est que moi je voudrais tout détruire limite pour faire un truc qui marche bien là. Parce que le tournesol, si ça coûte cher de le prendre, et si on peut même pas le prendre d'ailleurs. Vas-y, on achète un tracteur. Regardez pour prendre d'occas. Ah oui, il a raison. Il y a un d'occas, mais c'est ton tracteur à 190 000 euros. Ah ouais, d'occas, c'est cher. On peut pas là, on a que 200 000. Je veux pas que tu paniques, mais dis-toi qu'on dette, on est à 1 700 000. C'est pas grave, ils vont faire beaucoup d'argent comme ils nous ont promis. Du coup, maintenant faut acheter un sémoir. Donc, direction. Bah, le champ de tournesol. N'oubliez pas de mettre des semences dans votre sémoir. Ah ouais? Le mec qui fait une petite remarque avant qu'on parte. Je sais pas, je suis un citadin. On doit mettre des graines dans la machine? Tu les achètes dans le magasin. Ok, on va acheter des graines de colza. On veut des graines. Comment on achète du colza? Il faut acheter de la semence et après tu peux choisir ce que tu veux. Et bah là, j'ai semence à 950 euros. J'en achète un. Elle est où ma semence? Tu l'as acheté là? Elle est là. C'est là? Quoi, j'ai pas vu? Sélectionner semence. Sélectionner le colza. En bas 100%. Ah oui, attends, je suis full là. Donc là, si je veux, tu me mets comme ça. Oh bordel, c'est dur. Des plis de machine. Okay. Bah ouais, ça se voit qu'elle se déplie sur les côtés. Waouh. Et là, t'es censé la mettre en route. Ah ouais, t'es en train de faire quelque chose en tout cas. Oh, celui-là bourre. J'ai pété un pont. C'est inadmissible. C'est un parasite. Ça fait quelque chose si je roule sur le champ qu'il a semé ou pas? Pourquoi tu veux rouler sur les champs des gens? Non, ça fait rien. Je roule sur le mien, t'inquiète. Oh, ça fait quand même des grandes traces, hein. Mais dégage! Mais il a dit que c'était bon, il a dit c'est bon, ça fait rien! Ça fait rien, regarde! Mais putain, tu me pètes les couilles, je regardais en dessous, j'étais en train de faire un plan cinématique de fou! Quel enculé! Je faisais un boulot monstrueux! Ah, il faut que je fasse fuir les corbacs là! Il nous faudrait des hommes de paille! Tout le temps des nouveaux besoins, hein. Bon, par contre, je vois qu'on a toujours pas 100 000 balles. Ah, c'est compliqué, hein. Puis ce que je suis en train de semer, on en récoltera les fruits que l'an prochain, quoi. Bah, c'est comme ça, et si on n'a pas un intempérie qui nous tombe sur le coin de la tronche, hein, parce que c'est pas l'État qui va nous aider, hein. Faudrait qu'on ait une bonne saison, quoi. Le mec est un peu trop impliqué. Donc là, si je prends un employé, il arrête de semer. Regarde, il arrête de semer, le con! Oui, il arrête de semer, mais ça se trouve, il fait chaque chose en son temps, peut-être que d'abord il laboure, ensuite il sème. Il est même en train de niquer ce que j'ai planté! Regarde! Il sème rien du tout, il enlève ce que j'ai fait! Abruti de merde! Attends. Non, il sème rien du tout! Il nous coûte un fric monstre, ton employé, hein. Regarde l'argent! L'abruti de merde! Mais du coup, toi, tu fous plus rien? Je surveille. Après, si vous voulez, vous pouvez essayer de couper du bois. Comment on fait ça? C'est une tronçonneuse, ça coûte 1000 euros, puis après tu coupes les arbres, des terrains. N'en dis pas plus. Oh, j'achète laquelle? Moi, je prends directement la McCulloch. Ouais, McCulloch, on avait regardé la même, forcément. McCulloch. Oh, on est en tenue de chantier. Et voilà. Et après, je peux le mettre dans le pick-up et aller le vendre. Mais non, je le prends. Ah ouais, non, mais alors, avec les sangles de serrage. Attends, mais t'as pris un sacré morceau de bois, là. Je vais le vendre à la ville. Alors, sangle de serrage. Oh, c'est sanglé. Ouais, ça sangle, hein. Ça sangle de ouf. C'est bon, on va vendre ça à la ville. Ah, ils vont être contents, le supermarché. Et en plus, je peux frotter les bords de la route, genre ça essuie. Vendre bois. J'amène mon bois. Bah, je veux le vendre. Oh, j'ai vendu mon bois. Plus 17 euros. Je sais pas, je suis arrivé ici et ça l'a vendu. Oh, c'est vendu. Plus 208 euros. Ok les gars, on a rapporté près de 300 euros de bois. Essayez de nous suivre un peu parce que là, il y a que nous qui rapportons de l'argent. Ça vaut quand même le coup de leur rappeler quand même que c'est... non mais ça mange pas de pain. Patron, ça devrait même pas être à nous de faire ça. Et on est des patrons qui s'investissent moi. Si on coupe les arbres de la Syrie, c'est smart. On peut vendre directement. Ah, on peut pas. Ah putain, on n'a pas accès à ce terrain. C'est pas à nous, putain. C'est un sous-prétexte que c'est à la ville, putain. J'ai mis des abeilles. Où ça t'as mis des abeilles? À gauche des cochons. Mais oui, mais pourquoi t'as fait ça? J'ai mis un chien aussi. Mais t'as mis un clébard. Il est joueur ou pas? Il rattrape la balle. Vas-y. Il a découpé à mon chien. On joue à la tronçonneuse. Mais il a mis d'un enclos de poule. J'en ai plein, c'était mon plus grand rêve. Regardez, c'est magnifique. Tout le monde est heureux. Que t'as acheté? On a que 7 000 $. Mais il a acheté des moutons. Et voilà. C'est parfait comme ça. Cependant, tu veux bien avouer. Non, ils c'est sont vrai. Très jolis, mes moutons. C'est vrai, c'est ils du beau mouton. Pas d'eau. Non, c'est un bel achat. Voilà, on vous laisse là-dessus. Si vous aussi, vous voulez faire une ferme qui plaît à tout le monde, avec des super cultures et des super animaux, le jeu est disponible sur l'Epic Game Store avec le code créateur WANKILL. Et c'était bien. Et merci beaucoup d'être venu nous aider à réaliser ce rêve. Merci énormément. Merci, patron. Vous avez rapporté énormément d'argent. On a 4 000 dollars. On a dépensé plus de 2 millions de dollars. Gricole.
Je m'appelle Lulu, j'habite à Rabastaille. Quand je ne rappe pas, j'élève du bétail. Y'avait le rap des villes et bordel maintenant. Grâce à moi désormais, y'aura le rap des champs. L'été pour les vacances, je reçois des campeurs. Le camping à la ferme et la cuisine au beurre. Le soir pour rigoler, j'organise des raves. Des raves intelligentes, non pas des bêtes de raves.